introdurre il denaro o la tessera. Ritirare il resto. Sabbath. Pas de bague? Ah non, j'ai cru ça. Yes! Allez, on vient d'arriver à Geo Lake. C'est mon premier poisson. Premier poisson des trois jours. Là, on vient de faire la route. On a à peine mis à l'eau. Et ça y est, c'est parti. Un énorme beluga. Il chassait devant nous, là, je lui ai mis une truite, il a pris direct. Regardez-moi ce bestiau. Oh, là. Oh, putain de merde. Oh, énorme. Ah, j'hallucine. Oui. Oh, chou. Ouais, il me l'a rempli. Bon bref, c'est pas grave, on a chaud cette année. Excellent. Ah voilà. Ça, c'est du fish. Hein. Bon, on n'a pas de quoi le peser. On sait pas quelle longueur il fait non plus. Mais c'est vraiment un master. Magnifique poisson. Quelle largeur. Regarde ça, cette largeur. Ah, oh, ce poisson. Super. Alors lâche. Allez, c'est parti. Pouah ! Yes ! Énorme ! Ah oui, c'est déjà un beau, hein. Coup de ma gueule. Ça déroule mon petit. Coup de ma gueule. On a déjà un bébé, hein.
Allez, on vient de finir la première nuit de notre séjour à Jiwa là. Et très très dur la pêche. On est à 3, on est à une bonne vingtaine de poissons là. Sur déjà presque 24 heures de pêche, pas tout à fait encore, il y a la matinée à faire. Voilà, quelques beaux transmons, on a trouvé un petit truc qui marche. C'est le troisième beau transmon que je fais là. On va voir si ça continue comme ça. Voilà. C'est encore pas les gigantiques qu'on peut trouver ici, mais c'est déjà un joli poisson. Ah, très très beau combat. Les transmons là, ils sont pas très actifs, mais ils font des combats de dingue. Ouais, t'as des gueux, hein? Quand même! C'est encore monstrueux. Oh, la truite était trop petite. Hein. Ah bah lui, ça a fait le saut. C'est ça. Ah bah, c'est ça. Déjà au fond. C'est ça. Putain. Oh la vache. Encore un sacré bestiau. Oh la vache. Quel poisson encore. Un beau bester, un combat de dingue. Là, j'étais parti faire les courses, je reviens, Alex il en avait un gros bout, il a fallu sortir celui-là, et puis bah, le temps que je m'habille, bah, celui-là était déjà parti. À peine la tête dans l'eau. Extraordinaire.
alors deux jours, un poisson comme ça par jour, bah c'est bon, hein. Il y en a assez. Hein. Oh. Ah, il est bien là, il est gentil. Bon allez, après un tel doublé, un tel poisson, petite bière, elle est pas volée celle-là. Non. Santé. Tiens. Oh. Je crois qu'Alex il va pas avoir le temps de la boire. Ah, vas-y. Vas-y, pose ta bière. Il est en force, sans arrêt. Là, il a coupé en sec, hein. Bon. Beluga. Oh putain, il est balèze. Il est gros. Ah ouais, c'est bon. Descends peut-être. Ah, j'ai plus de bras. Voilà, encore un beau. Ah, les belugas là, ça le fait. Ah, le machin il passe, il l'a senti. Il est descendu, il a fait dessus. En même temps, ils peuvent guère passer devant nous maintenant. Ah ouais.
Allez, on va faire un petit point après 48 heures de pêche là, notre petit séjour à Gioa avec Alex et puis Damien. On est sur une pêche vraiment très compliquée. Ce matin on s'est levé à 5 heures et à 10 heures on a fait à peine chacun un poisson. Très dur dans l'ensemble en termes de nombre de touches. Après on a bien trouvé le truc sur les belugas. On s'est fait super plaisir hier. On fait une journée beluga, mais un truc de fou. Hein, pour le deuxième jour, on doit faire une dizaine de gros belugas. On pêche à la truite. C'est l'appât qu'il ne faut pas oublier pour venir ici, pour prendre des beaux poissons. Nous, ça nous sauve carrément notre séjour pour l'instant. Quoi. Alors, je reviens vite fait sur les belugas, parce qu'on parle de belugas à chaque fois, mais en fait, il y a deux types de poissons, même trois, pour être précis, ici. Il y a les vrais belugas, donc ils sont très râpeux, hein, on le sent, on a les marques sur les bras quand on les porte, ils sont un peu gris, vraiment massifs, très râpeux, donc c'est des vrais belugas. Mais après ici il y a deux hybrides qu'on retrouve beaucoup, donc là les gros poissons qu'on a fait là qui sont un peu noirs et on voit très lisses, ceux-là c'est des besters, donc hybride beluga stirlet. Donc ça, il y en a beaucoup. Souvent, ils sont un peu plus minces que les autres. Là, mais cette fois-ci, on a fait des massifs. Alex, il en a encore fait un hier soir. Là, c'est celui qui nous a couché. C'est con qu'on n'a pas pu filmer parce qu'il l'a pris en direct. Il était dans la frontale. On l'a vu arriver en bordure. Et puis, ça, la truite était un ou deux mètres plus bas. On l'a vu tourner. On a vu la queue descendre. Et c'était vraiment sympa comme action. Il l'a pris vraiment en direct devant nos yeux. Donc, le troisième variant de beluga, c'est des hybrides beluga transmontanus. Moi je trouve que c'est des très beaux poissons parce qu'ils ont ce corps de beluga assez massif et puis les dessins du transmontanus sur le côté, c'est vraiment des poissons sympas. Donc voilà, on dit des fois on dit beluga, mais ça peut être des choses un petit peu différentes avec les hybrides qu'on peut trouver ici. Oui, donc du coup là on voit pas mal de choses qu'on n'a pas vu d'habitude, hein, c'est-à-dire que tôt le matin et la nuit on fait très peu de poissons. Hier on a fait un triplé de beluga entre midi et deux, hein, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ici. On prend les belugas à quelques mètres du bord à la truite en pleine journée, en plein soleil, ça c'est très rare. Alors que là hier on fait carrément un triplé. Puis après on fait très peu de transmontanus, donc la pêche est vraiment bizarre. On a pris des carpes, très belles carpes. Damien il fait une commune de 20 kg là, avec une gueule énorme, un poisson superbe avec des couleurs magnifiques. On fait ouais, 5-6 carpes comme ça, alors que c'est pareil, c'est pas des poissons qu'on touche habituellement. Là dans les explications, ben, il fait super chaud, super beau, on est en t-shirt. L'eau en surface elle est à 19 degrés le matin et puis 24 degrés en fin d'après-midi. Donc on est sur une eau très chaude et voilà, la pêche est dure, les touches, on n'a pas des belles touches. On a vraiment des touches inférables, hein, on fait des poissons, les diamants on les fait sur un tremblement de fil, quoi. L'écureuil ne monte même pas, c'est impressionnant. Donc voilà, une pêche bizarre, difficile, et un séjour qu'on est en train de sauver avec les truites sur les belugas. Et bon, il nous reste encore 24 heures, on va essayer encore de faire un joli transmontanus. Lève-la Nico. Ouh. Lève-la qui arrive. Bon, je suis parti faire des courses, là, je peux pas les laisser tranquilles 5 minutes. Regardez ce qu'ils m'ont fait quand j'étais pas là. C'est insolvable. C'est insolvable. Bah viens là. C'est insolvable. Ouah, il va prendre plus de volonté. On a réussi à le soulever tout à l'heure. On a réussi à le soulever. Allez. Ouah. Allez. Il est pas en entier encore, même plus la tête en avant. Voilà. Là il y a un monstre les gars. Oh putain le bestiau. Trop la classe. Bon.
Vas-y, ouais, tranquille. Allez, mec. Ah ouais, t'as fait, il part sans problème. Regarde, direct. C'est bon, ça. C'est ça qu'on veut. Oh, je me fais dérouiller là. Ça monte. Allez, ça se passe comme ça, Joa. Les courbatures refont surface avec le premier beluga du matin. Allez, il est 5h du mat. C'est bon, je sens bien mon dos, mes cuisses, mes bras. Il n'y a pas de souci, tout est là. Il m'a pris à 1 mètre du bord, juste sous la canne. Magnifique. Super départ, super touche, un combat d'enfer. Il m'a déroulé comme un malade, un vrai beau beluga là, bien massif. Oh, excellent. Purée. Il touche le fond, hein. Il est échoué. Ouais, celui-là bien. Okay. Continue. Allez, ça sent la fin, les traits commencent à être un peu tirés. C'était la dernière nuit, là je me suis encore fait réveiller ce matin avec un gros beluga. J'en avais déjà pris un gros juste avant d'aller au lit, donc un dernier gros doublé de beluga là, c'est pour finir, c'est sympa. Donc là, on va remballer. En termes de bilan, on est au top. Hein, on a fait une quinzaine de gros belugas. Alex, il a fait son giganti hier, là, un gros bianco, là, il s'est fait plaisir. C'est dommage, j'ai pas pu voir le combat, mais bon, j'ai quand même pu voir le poisson en rentrant des courses. Voilà, donc là, on va plier tout ça gentiment. Et puis, un peu de boulot quand même, parce qu'on a sorti du chantier, il y a du matos, il y a tout le matos de camping à remballer. Et puis voilà, on va reprendre la route, rentrer chez nous, prendre une bonne douche, une bonne nuit de sommeil. Voilà, j'espère qu'on a réussi à vous transmettre un peu les sensations qu'on a ici, parce que c'est vraiment mortel. Ça envoie du gros. Au niveau physique, c'est vraiment dur. Hein. Au final, on dort pas beaucoup, ça tire sur les bras, c'est assez violent. Sur ce, vous avez l'habitude maintenant, et je vous dis à la prochaine. Ha ha ha.
Ah. Ah oui, tu le dis, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Hein. T'as l'ami des bêtes en fait, Damien, je pensais pas.